L'histoire de la première fois de l'acquisition d'une toile avec ma femme. Alors je dis une toile, en fait c'est faux, c'est un triptyque que j'ai aperçu lors d'un vernissage d'un peintre qui est un de mes amis que j'admire beaucoup, qui s'appelle Anthony Palitzer. Et au milieu de ce vernissage, rue Guénégaud, dans une galerie assez étroite, et au fond de la galerie, il y avait ce triptyque qui n'était pas en fait sous forme de triptyque, mais qui était encadré en trois pièces collées les unes aux autres et encadré comme dans un grand cadre de miroir. Voilà. Et donc je vois ces trois têtes l'une à côté de l'autre, je suis avec ma femme et on est tout de suite interpellé par ces trois œuvres. Puis le temps passe et puis j'appelle Anthony pour lui dire « J'ai vu quand même quelque chose de vachement bien dans ta galerie ». Il me dit « Oui, mais c'est une œuvre qui est provisoirement à Paris, qui va repartir à Londres ». J'ai pas le temps sur le moment de l'intercepter, j'ai pas les moyens non plus d'ailleurs, et l'œuvre part à Londres. Mais l'œuvre continue à me parler, et surtout ce regard de cet homme qui se maquille. Et je reviens vers lui en lui disant, est-ce qu'on peut pas faire revenir cette œuvre de Londres? Est-ce qu'on fait? Et finalement je m'arrache pour essayer de l'acheter et je la fais venir à la maison. Quand elle est chez moi, elle est donc toute attachée dans ce cadre et je la trouve trop engoncée, donc je décide de faire sauter le cadre, qui d'ailleurs est devenu un joli miroir, et je détache chacune des œuvres pour les encadrer individuellement. Et elles finissent dans mon salon. Tout à fait honnêtement, il y a très très peu de gens qui comprennent cette œuvre. Je pense que, je ne sais pas si c'est parce que je suis acteur, mais elle me parle assez personnellement. Et je la vis quotidiennement, et ce qui est amusant, et pourquoi j'en parle, c'est peut-être d'abord parce que ça a été un choc commun à ma femme et à moi, parce que ça a été un choc aussi, ça a été un engagement, parce qu'il a fallu qu'on fasse revenir l'œuvre de loin, que je m'investisse particulièrement. Et puis parce qu'aussi, quand je joue au théâtre, et que je rentre le soir du théâtre, et que je suis seul, la seule personne à qui je parle, c'est à cet homme qui me regarde, qui se maquille. Et j'en suis arrivé à avoir une relation avec cet homme, à lui raconter mes soirées, mes inquiétudes, les questions que je me posais sur le spectacle, mes frustrations. Et il s'est installé un rapport assez incroyable, qu'il a entendu à peu près tous mes secrets et qu'il ne lui manque que la parole pour avoir été l'homme avec lequel j'ai le plus échangé ces dernières années. Mais je sais que lui sait des choses de moi que personne ne connaît. C'est-à-dire que c'est amusant parce que j'ai découvert par la suite qu'il était acteur et qu'à mon avis, s'il avait pu parler, il m'aurait répondu à peu près à toutes les questions que j'ai posées. Voilà. Donc en fait, c'est cette interaction qu'on a eue, muette dans un sens et très bavarde dans l'autre, entre une œuvre certes peinte, mais qui m'a donné presque de la vie. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'un jour, je suis invité chez Anthony Palitzer, mon ami peintre, pour un dîner, enfin pour un cocktail. Et voilà, les gens circulent dans son appartement, je passe à côté de plein de gens, puis à côté d'un homme assez grand, habillé très sombre, un croque-mort, tu vois. Et je fais absolument pas attention, puis Anthony me croise, il me dit « Mais tu lui as pas dit bonjour ?» Je lui dis « À qui ?» Il dit « À Ruby, je crois qu'il s'appelle Ruby. » Je dis « Ruby qui ?» Il dit « Mais c'est l'homme que tu vois tous les jours, 10 fois par jour chez toi, sur tes murs. » Et là, je vois le visage de cet homme, que je ne retrouve pas d'ailleurs immédiatement sur la peinture que j'ai achetée, mais bon, c'est vrai, c'est lui. Et je le regarde et je me suis posé d'ailleurs la question sincèrement de savoir est-ce que j'allais entendre sa voix, est-ce que j'allais créer un lien physique, humain avec lui, parce que j'avais une telle intimité avec l'œuvre que je me demandais si je pouvais rivaliser avec l'être humain que j'ai en face de moi. Je me suis posé la question de savoir est-ce qu'il serait à la hauteur de l'œuvre. Et je pense que c'est mieux. L'imaginaire est plus important que la réalité.